Chez Renault, le travail reprend normalement dans toutes les usines, sauf à Billancourt, qui reste occupée. Mais des négociations sont engagées. Jean-Pierre Métivet. La grève avait débuté au Mans voici une semaine. Le travail a repris ce matin dans l'amertume, avec toutefois une nouvelle prime de 210 francs que les syndicats avaient refusée voici un an. Dans cette usine clé, la fin de la grève a un autre effet. Demain, le travail reprend dans d'autres usines Renault après plusieurs jours de chômage économique. Seul Billancourt continue la grève. Avec un sursaut ce matin, un cortège CGT de 3 à 4 000 personnes qui s'est rendu au siège de la direction. Cette dernière a accepté pour la première fois de discuter avec les syndicats cet après-midi, tout en demandant au tribunal l'expulsion des piquets de grève. Le jugement n'interviendra qu'après-demain. D'ici là, les négociations devraient continuer, même si ce soir la CGT a préféré claquer la porte. La solution du conflit peut être une prime similaire à celle attribuée au Mans. Et